Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planet Crafter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aller visiter une des épaves. On en a deux. Donc, on va se préparer. On va quand même se faire de l'oxygène. Ça fait deux, ça fait trois capsules. On va faire quatre capsules d'oxygène. On peut peut-être prendre un explosif. Je sais que j'en ai dans mon rover. Hop. Ça en fait 4. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va peut-être prendre un peu de nourriture aussi. Je l'ai stocké ici, la nourriture, je crois. Ça, ça rend 35, 25, 40. On va prendre ça, tiens. Deux comme ça. Et ça, ça rend 60, ouais. C'est le meilleur, de toute façon. Là, j'ai un petit peu de fer. Là, pareil. Parfait. Donc, on va récupérer le véhicule aussi. Normalement, ça, c'est... Ouais, non, c'est pas bon. Ah, c'est pour ça que j'ai deux explosifs. Ok. Voilà. On va récupérer de l'eau. On a de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène. Donc on est bien. 3 d'eau. Ça devrait être pas mal. Et on va se retrouver devant l'épave. On est tout prêt. On est tout prêt. On est arrivé. Ben voilà. C'est juste ici. Hop. Alors, inventaire. Le véhicule là. On va reprendre un petit peu d'oxygène. C'est bon. Alors, niveau explosif. J'en ai pris 3. J'espère que ça va être bon. Non, non. C'est bon, impeccable. On se met bien en direct. Nourriture, boisson. Hop. On va mettre deux doses ici. Deux doses là. On va regarder un explosif sur nous. Et on est parti. Hop. Ok, on a un coffre déjà. Ah, ça c'est cool par contre. Ah oui, d'ailleurs, dans l'épisode d'avant, on a découvert une plante que j'ai récupérée sur une espèce de robot avec le bras. Va falloir qu'on la place. Elle était pas mal du tout. Elle avait un très bon indice... On va voir ça après, ou peut-être dans le prochain épisode, je sais pas. Je sais pas du tout combien de temps va durer celui-ci. Oh purée, je suis quasiment plein déjà. J'ai juste fait l'entrée. Ok, alors. On va aller tout droit. Je ne détruis pas les poutres. Comme ça, je sais que c'est un endroit où je suis pas allé. Ok, par là, il n'y a rien. Ça se rejoint, tout ça? Oula. J'ai l'impression que tout ça, ça se rejoint. Quoique. Ah. Pas mal ça.
Ça se rejoint, ça se rejoint. Je suis pas sûr si on est venu de par là. Si, si, ça se rejoint. Ok. Voilà, on a le réacteur, d'accord. Donc nous, on va par là. On vient de par là, non? On vient de par là. Ah, je sais plus. Non, là, c'est un cul-de-sac. Donc nous, on vient de par là. Et on va aller par là. On a par là ou par là? Par là. Oh, bah tiens. Direct. Ah. Ah, des réacteurs. Bon, ça c'est nickel. Ça c'est franchement nickel. Ok. On arrive dans le poste de contrôle. Voilà l'oxygène. On a un coffre là. Oh oui. Ça, je prends, je prends. Je prends. Le reste, j'ai envie de dire ça. Ça, je peux garder au pire, mais ça me sert pas à grand-chose, j'en ai déjà trop. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on a par là? Il n'y a rien. Ah si, il y a un coffre. Ça et ça m'intéresse. Ça. J'en ai déjà plein de ça. J'en ai déjà plein. Si on l'a pris sur un. Ouais, si on l'a pris. Par ici. Ok, on a fait le tour. Ok. Donc ça, on a fait ce coin-là. Ah, attendez. Ah non. Non. On a fait ce coin-là. Donc nous, on repart par là, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la sortie. Hop. Hop, ouais, on est plein. Alors ça me sert pas. J'ai pris ça, j'ai pris ça. Ça me sert pas vraiment. Ça, je peux en garder une sur moi. Ça, idem. Ça, je vais le dégager. Ça, on peut le mettre là. Le fer, si, si, je le garde. J'ai un, deux, trois moteurs. Impeccable. Je vais peut-être reprendre de l'oxygène là. Hop. Bah tiens, ma torche s'éteint toute seule là. Donc par ici, on n'y est pas allé. Ça, oui. Oui. Et donc du coup ça et puis 400 Ah, je peux la garder celle-là au pire. On n'a rien. Ah, on a des coffres par ici. Ça et ça. Ça vraiment pour le pour dire que je la bois.
Ok, on était là. Ah, ça je veux. Ça non. Ça oui, ça oui, ça oui. On n'arrive pas dans le même coin là. Ok. Ça correspond. Nous, on vient de par là. Sans l'avait looté, ouais. Ok. Donc, nous, on venait de par là. Sans l'avait looté. Ok. Enfin, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de l'épave. Je suis pas sûr. Si, si. Par là, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, attendez. Si, ça, on l'a fait. Ouais. Et par là, c'est le truc. Ouais, non, c'est bon. C'est bizarre, il me semble que. Ah, ouais, non. Ah, attendez. Ah, hé. Ok. Quand on aura le réacteur, ça sera là. Ah non, pas par la masse. Chou, je suis perdu. Non, c'est pas là. Et nous, faut qu'on retrouve la sortie. La sortie qui est par là. Ok. Et je crois qu'on a fait le tour. On était pas si grande que ça, en fait, hein. Et alors attendez, parce que j'ai vu quelque chose en venant. On va aller voir. Bon, je récupère un peu d'oxygène. Voilà. Alors, on a récupéré du soufre, de l'alu, on a récupéré des moteurs, ce qui est vraiment bien. Trois moteurs. Bon, ça c'est cool par contre. Ma nourriture, elle est là. Hop. On a récupéré de l'uranium. C'est vraiment bien aussi. Et alors donc, du coup, j'ai repéré un truc par là. Pas ça. Une espèce de fusée. Elle est où? Elle est là. Elle est juste là. Ok. Ça, je vais les récupérer quand même. 400, c'est bien. Pff, après, non. Après, le reste, l'Irma, ouais. Hop, allez. Alors maintenant, il va falloir qu'on trouve un chemin pour rentrer. Alors ça, c'est pas gagné. Il y a quelque chose là-bas. Juste par là. Ah, c'est un petit peu plus haut. J'ai eu peur que je puisse pas passer par là.
Ah oui, ça, on l'avait visité, ça, je sais plus. Va le savoir tout de suite. Ça m'étonnerait. Oh, sinon, j'aurais pris tout ça, hein. Là. Bah, j'aurais récupéré tout ça si j'étais déjà venu. Il n'y a rien. S'il y aura ça à démonter. Et par là, il n'y a rien d'autre. Non, bah rien. Écoutez, c'est bien. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on passe par ici. On va aller voir le niveau de l'eau. Si ça a augmenté ou pas. On a commencé la partie, on était à 32. À 30,91, je crois, MTI. On est à 34. Donc, ça a bien avancé. Ouais, c'est un grand plateau ici pour faire une base, c'est pas mal aussi ça. Là on est en haut, là on risque pas d'être embêté par l'eau. Ça c'est la grande épave qu'on a visitée la première. Ah, faut que je passe par là. Voilà. Ouais, on est sur la bonne route. La glace des grottes va commencer à fondre normalement. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Ah, attendez. Ça commence à fondre à combien ça déjà? À 200. Ah oui, bof. On n'y est pas encore. Mais il n'y a pas un... Ça, on peut le faire exploser. Ça aussi, on peut le faire exploser, mais bon. D'accord. C'est quoi ça? Attendez. Oh, étrange. Ça, c'est pas... Ça peut être détruire des explosifs, d'accord. Ok. Bizarre tout ça, ça me parle pas. Ça me parle pas du tout tout ça. Oh non, j'aurais pris tout ça aussi. Hein. Ah. Ah, je peux pas me prendre. Je peux pas tout prendre. Ça, on reviendra. À cet endroit-là, vous voyez? Je pense pas que je l'avais. Ah! Des explosifs. Qu'on revienne, qu'on y pense. Ah ouais, il y a plein de trucs. Ah ouais, mais. Une puce. Ouais, mais j'ai plus de place. Oh, je pense que la glace a commencé à fondre hein, quand même. Hein. Ah, il y a une puce. Ouais. Ouais, ça, c'est un endroit, je me rappellerai peut-être pas forcément. Hein. Je crois que c'est facile d'accès, remarquez. Attendez. Ah, mais je suis dans une grotte là. On n'est jamais venu par ici. Ah.
Faudra qu'on vienne visiter ça. Ah, peut-être dans le prochain épisode, pourquoi pas. On a une grande zone à explorer, là. Je croyais que j'étais à l'extérieur, mais je suis pas à l'extérieur, là. C'était où, le passage? On a de l'eau. Attendez, je suis perdu. On a de l'eau par ici. Mince, elle est où la sortie? Il y a le coffre. Ouais, le coffre ici. Ah, c'est par là. Ah, mais il y a un truc là-bas. Ah ouais, faut qu'on vienne explorer ce coin. Ah oui, nous on vient de par là. Ouais, ok, d'accord. Ah ouais. Et vous voyez, les secrets. Quand je vous disais qu'il y avait des secrets que j'aurais pas découverts... Et la sortie est par ici. Ah, mais non, mais c'est quoi tout ça? Oh. Mais alors attendez, parce que là, le plus gros problème, c'est comment je fais pour sortir. Et où la sortie? Là, on est venu par là. On avait ce coffre-là. On avait ce coffre-là. On avait vu ça. Bah, par où on est passé? Ah, par là-haut. Ah oui, d'accord. Ah, mais je fais comment pour sortir? Ah, peut-être comme ça. Ah, allez, monte, monte. Ah, c'est pas vrai. Vous savez ce que je fais? Je fais le mode triche. C'est pas bien, hein, de faire ça. Hein. Il va falloir qu'on vienne explorer ce coin. C'est pas bien ce que je viens de faire. Hein. Le mode pour se débloquer, ça permet de monter. Donc c'est ce coin-là. Ok, là où il y a plein de trucs accrochés au mur. Là. On a toute une zone à explorer. D'accord. Ah oui, ça s'est étendu. La vache. On s'en fout, on peut aller dans l'eau avec. Ça, c'est pas logique, par contre. D'accord, alors l'eau arrive par ici, il n'y en avait pas. Et là, les deux petits points d'eau se sont rejoints. Ah ouais. Et là, pareil, ça a augmenté aussi. La dernière fois que je suis passé, on était au niveau là. La petite... Le super alliage qui est ici n'était pas encore sous l'eau. Ok. Bon, bah écoutez. Oh, c'est bien, on a découvert une grotte géante. Allez explorer. Ça va être l'objectif du prochain épisode. Mais je pense qu'il va falloir... je sais pas, mais... peut-être prendre le véhicule. Ouais, peut-être prendre le véhicule et circuler avec. Ouais, je sais pas comment on va faire, mais il me faut de la place, donc le véhicule sera très utile. Inventaire. Ouais, je peux déjà ranger tout ça. Ok, alors ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé de l'uranium.
Ah, j'en avais pas. Ok, j'ai quand même récupéré pas mal de fer. C'est pas mal. De l'alu. Hop. Du super alliage. Et le reste. On va mettre ça dans les coffres à bordel. Hein. Non, peut-être pas ça. Ok. Et là, on va rappeler le véhicule. Parfait. Et les trois moteurs, là. Les trois moteurs importants. On va pouvoir... Attendez, ça, 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 je vais pouvoir le ranger. De l'aluminium et le fer. Excellent. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, on est pas mal. On va regarder un peu où on en est au niveau. On en est où, là? Là, on arrive sur les lacs. On est à 70% quasiment. Là, on a juste l'eau liquide qui apparaît. Et après, ça va être l'apparition des lacs. Ok. Ok, ok. Et ça monte assez vite, quand même, hein. Niveau énergie, on est à 62, d'accord. Donc du coup, on va pouvoir avoir le récupérateur d'eau de lac. Ouais, pourquoi pas. Ah, ça, on n'est pas près de l'avoir. Ça, à 50, ça va, ça se rapproche. Ça, c'est à 12, avec la chaleur. Mais la chaleur, elle monte pas vite. Pourtant, j'en ai remis des foreuses. Et des... d'échauffage. On verra. À 100. Oh bon, on n'y est pas. Et là... Générateur d'alc T2. Parce qu'on a déjà le T1. À 25. Je suis à 20. Les ruches, c'est à 80. Pff, on n'y est pas. Ok. Mais on a déjà le... on a déjà le générateur d'algues. Ça m'étonnerait. Ah si, générateur d'algues T1. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de point d'eau assez important. Donc, on est bien. Bon, écoutez, on va arrêter ici. D'accord. Hop. On a découvert une sacrée grotte, donc il va falloir qu'on aille visiter ça dans le prochain épisode. Ça risque d'être assez long aussi, parce que ça a l'air d'être assez grand. À part si ça redonne sur l'extérieur, mais ça me parle pas du tout. Hein. Donc ça a l'air d'être assez vaste quand même. On ira avec le véhicule. Moi de mon côté, je vais vider le véhicule et me préparer pour ce prochain épisode qui risque d'être assez... Après, c'est grand, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est plus petit qu'on le pense. Bref. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, ou même la commenter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.